Ça filme là du coup. Ah ça filme. Et du coup on a fait le massage. Faut faire comme ici, dans la ligne des épaules. Comment on dit? Here. In the center. Yeah. I'm curly. Une push 30 fois. Et une sous-frite. Yeah. Sous-frite, yeah. So you take up. It's always bicycles. And Gino's saying, realizing the heart. Can you push the knee? Yeah. Every day. And you say, Moins 3, ressenti moins 6. Où c'est qu'on va? On va à New York. Le meuf s'est pris pour une chorale, tu sais. Marche. Est-ce qu'on musical là? Yeah. Yeah, Gabriella. Fallait plus vite, hein. One, two. Céline, qu'est-ce qu'on fait? Quoi? Elle est choquée. Mais non, mais je comprends pas ce qu'elle me dit. Qu'est-ce qu'on fait? Bah, on est dans un bus. On veut manger, on a faim. On a faim. Are you ready? You can get here. Tu vois la neige là? Salut, je vous retrouve, il est 23h58, il faut que je vous raconte le périple. En fait, actuellement il neige à la Trinity School et il a neigé à New York quand on est arrivé. Et en fait le bus voulait faire l'Empire State Building et faire demi-tour, sauf que nous on avait fait 3 heures de route dans les embouteillages et tout, on en avait trop marre. Donc on a dit bah, ce qu'on fait c'est qu'on s'en va. Donc on est parti, on était nombreux à partir, donc on est allé sur Times Square, on a mangé là-bas et après on est revenu, on a pris le train pour revenir et on n'avait pas de taxi en arrivant. Heureusement il y avait la navette EF, on l'a croisée par pur hasard, on savait même pas qu'elle existait et au final elle nous a récupéré et tout, on était trop bien. Du coup je suis gelée, j'ai les pieds congelés, mes chaussures sont trempées. Ah, rien ne va plus, clairement. Donc là je vais aller me coucher parce que demain je reprends mon vol très tôt pour Reno et j'ai juste trop hâte. En tout cas voilà, moi je vous fais des bisous et puis salut. On est à l'aéroport, on a passé la douane et Inès. Et on a faim, du coup on est à McDo. Qu'est-ce que tu veux? I want to feel our fish. Coucou tout le monde, je vous retrouve. Alors je suis arrivée à Reno. Ce n'est pas vendredi soir, on est samedi soir. Alors hier il m'est arrivé un truc de malade. En fait déjà mon premier vol, en fait si vous voulez j'avais une correspondance à Salt Lake City. Et mon premier vol avait déjà 30 minutes de retard. Mais c'était pas énorme, franchement je me suis dit voilà. J'arrive à l'aéroport de Salt Lake City pour prendre mon avion pour Reno et on m'annonce qu'il y a 4 heures de retard. Au final, je me renseigne un petit peu et en fait, c'était pas 4 heures, c'était 5 heures. Genre 20 minutes après, on me dit que c'est 5 heures. Je dis bon, ben génial. Du coup, en plus, j'étais fatiguée et le décalage horaire, je vous jure qu'il m'a fait très, 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 très mal. Parce que déjà que le décalage horaire de New York, je commençais seulement à m'y faire. Et là, en fait, entre New York et le Nevada, il y a 3 heures de décalage encore en plus. Et ça paraît vraiment pas beaucoup, mais je vous assure que quand vous avez déjà les heures de New York de décalage, que vous commencez à vous y faire et que vous avez encore 3 heures de plus, votre cerveau il comprend rien.
Et donc finalement je suis arrivée à Reno, j'ai vu ma famille, j'étais hyper excitée. En plus je crois que c'était ça qui m'énervait encore plus que l'avion soit en retard. C'est que j'étais trop excitée d'arriver, de voir tout, enfin ça m'énervait vraiment, j'étais là en mode mais oh s'il te plaît viens à l'heure coco. Donc voilà, ce matin je me suis levée hyper tôt, y a Clara, ma LCC qui est passée de me voir pour qu'on puisse discuter de tout ça, de mon arrivée etc, super gentille vraiment. Elle m'a carrément laissé, il faut que je vous montre parce que franchement ça m'a trop touchée, c'est peut-être rien pour vous, mais ça m'a trop touchée. Elle m'a laissé, elle m'a acheté un petit carnet comme ça, d'ailleurs il est trop mignon. Et dedans en fait elle a pris une photo Polaroid de moi et Maseko, qui est le grand garçon que je garde, l'autre le petit dormait donc bon tant pis. Et donc j'ai une photo Polaroid de nous deux, la toute première photo de mon premier jour, et il y a un petit mot de Clara tout gentil en disant qu'elle est trop contente que je sois arrivée etc. Donc voilà, autant vous dire que ça m'a touchée ce matin. Et ensuite le midi, juste avant de manger, on est parti avec Carrie, la maman des petits, et Maseko. Donc on est parti chercher mon forfait de téléphone. Donc ça c'est fait, au moins c'est une bonne chose de fait. S'ils ont besoin de me contacter à tout moment, oula, focus. S'ils ont besoin de me contacter à tout moment, ils peuvent sans problème. Donc ça c'est vraiment un truc, un bon point. Donc le forfait c'est ok. Et après ils m'ont emmené manger dans un restaurant pour les, enfin plus spécialisé dans les pizzas. Et c'était plutôt pas mal. Franchement c'était très bon. Et donc voilà, là ils sont partis à l'entraînement de foot, un match de foot du plus grand. Moi j'étais vraiment trop fatiguée. J'ai dit je suis désolée mais là je peux plus quoi. Laissez-moi rester ici. Elle a dit y a pas de problème, vraiment aucun souci. Du coup je me suis reposée entre guillemets. Ils sont partis il y a 20 minutes. Je viens de me poser devant mon PC. J'ai rangé tout. Toute mon armoire, tous mes habits, vraiment tout là-dedans. J'ai vidé mes deux valises, ça c'est une bonne chose de fait. Et je pense que je vais pas tarder à aller me doucher. Ici il est presque 17h, donc voilà, je comprends que je sois fatiguée avec le décalage. Sinon voilà, du coup là j'étais sur mon PC, j'ai regardé un petit peu les photos qu'on a prises à New York. Autant vous dire qu'il y en a des très très belles, vraiment, je suis trop fière. Il y a vraiment des très belles photos, j'ai pas pris mon réflexe pour rien. Ça a vraiment, vraiment pas mal. Sinon je vais vous montrer ma chambre, je suis désolée j'ai le réflexe de regarder en haut parce que j'ai le retour écran et du coup bah j'ai tellement pas l'habitude de vlogger que ça me fait tout drôle. Donc désolée si souvent je regarde là au lieu de regarder là, vous voyez ce que je veux dire. Bref, je vous montre la chambre. Alors en fait vu de loin c'est comme ça, donc il y a de la moquette au sol. Là il y a une petite étagère Mimi avec sur laquelle j'ai mis des trucs par rapport à mon appareil de vlog etc. Le drapeau corse et après je pense que je rajouterai 2-3 trucs mais bon là j'ai pas forcément le temps de regarder à ça. Là il y a une grande map, là il y a un canapé, plutôt cool, ça c'est vraiment aux États-Unis, genre c'est typique, dans une chambre il y a un canapé, c'est vraiment typique. Hein. Là il y a une petite table où j'ai mis mes bouquins, et là j'ai mis des petites photos tout à l'heure, je me suis amusée à faire ça, avec des photos que j'avais imprimées, voilà, donc là il y a deux cadres. En revenant ici, là il y a une fenêtre, donc c'est super mignon, j'aime beaucoup, ça fait vraiment je sais pas comment vous dire, rustique western, genre ça veut rien dire ce que je suis en train de vous dire, mais... Ça fait vraiment... j'aime beaucoup l'extérieur, la vue, on va dire, entre guillemets. Donc là, il y a des rideaux. Là, il y a mon lit avec des mouchoirs dessus et mon doudou, no comment. Deux cadres. Là, il y a une petite table qu'ils ont actuellement. En fait, elle est encore là 2 semaines avec moi. Donc, elle m'avait laissé des petits trucs à manger. Et là, c'est des trucs que j'avais récupérés dans l'avion et à l'aéroport. Ça, c'est moi qui l'ai ramené. Après, elle m'a laissé des trucs à boire et tout. C'est vraiment trop mignon. Là j'ai accroché un attrape-rêve que on m'avait offert, que je trouve juste trop mimi, donc j'avais dit je le prendrais vu qu'il est tout petit. Là il y a un cadre California Republic. Là il y a un bureau avec une chaise roulante. Donc là tiens vous voyez la photo qu'on a prise dans le bus à la training school, elle est trop mignonne. Voilà. Ensuite là ça c'était la pancarte que Maseko m'a faite quand je suis arrivée. C'était trop mignon, il m'attendait avec ça à l'aéroport, j'adore, je trouve ça vraiment trop mignon. Ensuite le père elle m'a laissé 2 bougies, ça c'est le livre qu'elle m'a offert, et ça c'est des papiers, ça c'est aussi super cool. En fait le père qu'ils ont, elle m'a laissé tout ce qui est flyers des festivals, des événements et tout de la ville, et ça c'est vraiment cool pour le coup, je suis vraiment contente. Donc ensuite là il y a une panière avec des couvertures dedans au cas où j'ai froid, je pense il y a pas mal de trucs, c'est plutôt cool. Là donc là j'ai mis mes chaussures, là mon réflexe, après j'ai un peu rangé comme je pouvais, ça c'est des trucs que l'opère m'a laissé, c'est trop gentil. Là il y a une penderie, j'ai mis tout ce que j'avais mais ils sont vraiment serrés, je pense que je les laisserai plus là. C'est mon panier à linge sale. Là il y a le bas du truc et là donc on se retrouve à la porte d'entrée, donc ça fait vraiment comme ça quand vous rentrez.
Et derrière, tout à l'heure, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait mon mur de photos que je m'étais dit qu'il fallait absolument que je fasse. J'ai encore beaucoup de photos à mettre, mais je trouvais que ça faisait trop. Du coup, bah, j'ai laissé celle-ci. C'est plutôt cool. J'aime beaucoup. Donc là, il y a ma salle de bain. Donc là, il y a un petit meuble avec un lavabo comme ça, moi. Là, il y a un cadre, une lampe, là. Donc voilà, ma salle de bain. Tac, tac, tac. C'est tout simple. Des toilettes, ça, j'ai pas encore vidé, puisqu'en fait, la salle de bain est encore avec l'eau. Enfin, l'eau père actuelle est encore dans ma salle de bain. Enfin, qui est dans sa salle de bain aussi, du coup. Mais elle la partage avec moi le temps qu'elle est encore là. Donc je vais éviter de m'étaler trop. Je verrai quand ça sera reparti. Et voilà, ça, c'est la salle de bain. Donc là c'est la terrasse. Viens Walta. Regardez la vue qu'il y a sur la ville. C'est sublime. Tu dis bonjour? Tu dis bonjour? Donc bref, voilà, vous avez de mes nouvelles. Je vais arrêter ce vlog ici, enfin ces vlogs, cette série de vlogs de cette semaine. Demain, ça va être repos, je pense. Et puis, je commence lundi avec l'autre opère, ça va être plutôt cool, je pense. Je suis plutôt contente qu'elle soit là parce que du coup, je vais avoir quand même une base, on va dire, sur laquelle me poser et sur laquelle m'appuyer, voir comment elle gère les enfants, pas dans le sens où je ne saurais pas les gérer, mais dans le sens où je veux peut-être pas trop non plus les déclasser par rapport à comment on les garde. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. En tout cas voilà, donc sinon tout va bien, ça va plutôt bien, je suis juste très fatiguée et j'en ai conscience, je sais que j'en ai mal à la tête mais c'est vraiment que la fatigue, j'ai pas du tout envie de rentrer, je suis juste très fatiguée là. En tout cas voilà, j'espère que ces vlogs vous auront plu et vous auront un minimum intéressé, moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine vidéo, salut.